Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Star Wars The Old Republic. Padawan, fais demi-tour, quittez cet endroit, laissez-moi, je suis en train de mourir. La Hôte, les déchiqueteurs sont dans les ruines, ils sont plus puissants que jamais. C'est pour ça que je suis ici. Contrôle la force! Cthulhu, qu'est-ce qui t'arrive? Les dix petits de surveillance ont surpris les déchiqueteurs en train de se glisser dans ces ruines. Je suis venu pour en apprendre plus, je n'aurais pas dû venir seul. Cet endroit puissant dans le côté obscur, les déchiqueteurs concentrent leur haine ici, ils se nourrissent de la noirceur, ils deviennent puissants. Alors je dois les arrêter. Est-ce que vous avez vu leur chef? Alors je dois les arrêter. Ou pas, je ne vois personne d'autre. Cthulhu, non, ne meurs pas! Cthulhu! Rebroussez chemin, l'ennemi est trop fort, ils ont mon sabre laser. Ah. Il y a de quoi récupérer, chers amis. Le sabre laser de Cthulhu! Alors ça me fait penser que je vais devoir mettre un nom à l'épisode précédent d'abord. Le nom étant. Rencontre. Avec la mort. Et ici ce sera. Cthulhu. Non. Voilà. Ok, c'est bon. Et le mec, il a déjà fait mon épisode là, en termes de nom. Hein. C'est bon. Hein. Je suis fan. Ok, on y va. C'est parti. Personne. Ha. Hop. Salut. Vous êtes des gardes. Des gardes qui ne prennent pas garde, comme dirait Arwen. Boum. Bonjour. Commencez par aller voir ce monsieur là-bas. Bonjour monsieur. J'aimerais faire un sondage. Vous voyez que j'ai un gros bâton. Veuillez vous pencher en avant. C'est l'heure d'être sondé. Rien par là. Quel dommage. Oula. Ça me semble sympa ce qu'il y a là-haut. Oui, j'utilise un sort balèze pour pas grand-chose. Je suis au courant, chers amis. Je fais ce que je veux. Voilà, dégage. Non mais où? Respecte ma putain d'autorité. Pas de coffre, rien. Quel dommage. Ah, on y arrive. On n'a pas trop de soucis pour l'instant dans le jeu. Hein. À part la zone, vous savez, où c'était le level genre complètement différent avec des ennemis genre complètement plus pétés. Introspection. On régène. Voilà, et on y va! Baston! Bouf! Ah, ça l'a pas tué. Je suis vexé. Voilà. Là, c'est bon, j'ai eu le bonus. Marcus a eu le bonus. J'ai quand même envie d'aller voir jusqu'au bout s'il n'y a rien. Et effectivement, il n'y avait rien. Il y avait même un passage pour passer ici, en fait, tout simplement. Que je n'avais pas vu. C'est pas grave. Ok. Bon! Je le veux! Donne-le-moi! Tu crois pouvoir me vaincre? Tu crois pouvoir me vaincre? Tu crois pouvoir me vaincre? Boum! Ah non, je vais pas pouvoir l'occuper, c'est un objet de quête. Ah putain, puis je l'ai brisé comme une merde, je l'ai cassé! Maître. Le campement des déchiqueteurs est hors service, maître. Mais ils utilisaient tous la force. Ils ont tué un Jedi du nom de Laota. Son corps est dans ses ruines. Que dois-je faire? On ira chercher notre compagnon mort au combat plus tard. Je viens de recevoir un appel de détresse du campement Twi'lek. Ils ont repéré Bengelmore. Nos forces sont disséminées pour s'occuper des camps secrets. Nous sommes les seuls à pouvoir nous en occuper. On y va. En route vers le campement. Rejoins-moi là-bas. Oui, maître. Oh putain, en fait c'était un piège presque, j'ai envie de dire. On s'est tous attaqués au camp, alors qu'en fait eux se servaient de cette diversion pour tout simplement attaquer le village. Quelle horreur!
Je crois que le pire en plus, c'est qu'on va devoir y aller à pied. Vu qu'on a encore 9 minutes 33 secondes de réutilisation. Oh putain. Pas un passage par là pour que je puisse grappiller quelques secondes de déplacement. Plutôt que d'en perdre. Ah ! Il y a un passage. Encore faut-il que j'arrive à le refaire. Non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Bon, bah tant pis. Fuck it. Marcus. Putain, il y a un coffre. Salut les filles. Calmez-vous, hein. Je ne fais que passer ma route. Hein, comme dirait l'autre. Voilà, merci. Crac tes mains. Ok. Coffre. Oh, et des chaussures. J'ai des chaussures dans le coffre. Oh putain. Elles sont bien au moins. Putain, c'est de la merde. C'est pas grave. Cristal carbonique. Carbonique, ta mère. Pardon, désolé, c'était tellement facile celle-là. On avait dit pas les mamans. Oh, pas grave. Hein, si je meurs là-dessus. Au moins, je serai mort avec style. Avec classe. Oh, oui. Le côté lumineux se renforce. Oui. Nous sommes tellement bons, chers amis. Régène. Crac. Et quand je dis bon, bien sûr, je veux dire pas doué, mais... Oh. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es... Tu es un grand? Pourquoi ils disent que t'es grand? Tu donnes des choses? Peau de bête lourde. Mais non, ça m'intéresse pas. Moi, je m'attendais à ce qu'il soit genre épique de la mort qui tue. Mais en fait, pas du tout. Et ça fait mal! Encore. Ok, on est bon. La 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 la. Bon. D'accord. Bonjour. Répare-moi tout ça. Ça, tu peux le récupérer, ça aussi. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Ah merde, j'ai encore vendu la neige carbonite pour rien. Enfin, le truc carbonite pour rien. C'est pas grave. Crac. Salutations. Le village. Hop, alors. En vrai, normalement, là, si le village était vraiment attaqué, on ne devrait pas avoir accès au speeder. On devrait juste avoir accès... Enfin bon. Je me rappelle que avec l'arrivée de Cataclysme et des phases dans World of Warcraft... Il y avait justement ce genre d'événement qui bloquait l'accès à certaines choses. Et c'était vraiment cool, c'était vraiment très très cool. Ça rapprochait encore plus le jeu du roman où... En fait, il n'y a pas d'attaque. Vous vous foutez de ma gueule. Vous vous foutez de ma gueule. Il y a zéro attaque en fait, que puis que dalle nada. Pendant 3 heures et moi j'ai quoi moi? Pendant 2 heures. 2 heures et 40. Ah la vache, c'est 3 heures aussi. Merde, je pensais que c'était 1 heure moi, du coup je l'ai gaspillé le machin. Bon, c'est pas grave. Rananyanya. Maître, bonjour. Ça a répondu à votre appel de détresse. Je devais le rencontrer ici. Que s'est-il passé? Où est-il? Rien. On n'a envoyé aucun appel de détresse. Tout a été calme depuis votre départ. Je n'ai pas vu Maître Orgus et je ne lui ai pas parlé non plus. Maître Orgus aurait dû arriver avant moi. Je suis sûr que vous vous êtes mal compris. Votre maître va arriver. Pourquoi ne restez-vous pas un peu? Vous devez être épuisé. C'est un piège. Clairement. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Matriarche, écartez-vous. Livrer le maître du garçon n'a pas suffi. Ce padawan doit mourir. Je vous avais dit de le laisser tranquille. C'est ce qu'on avait conclu. Bengelmor a refusé vos conditions. C'est pour sauver notre peuple. Qu'avez-vous fait? Où est Bengelmor? Bengelmor est venu vers moi. Il m'a dit qu'il mettrait un terme aux attaques des déchiqueteurs si on lui donnait votre maître. Il nous a demandé de vous tuer, vous aussi. Mais j'ai refusé. Je lui ai dit qu'on vous garderait ici. Vous seriez en sécurité et mon peuple aurait un protecteur. Si on n'obéit pas aux ordres, Bengelmor nous tuera tous. Ok,
Tête du bol de pas mourir. Je vais pas utiliser la force. Utiliser la force pour les petites choses, je veux bien. Pour faire comprendre aux gens que c'est la connerie. Bengelmore est un monstre. Quand il n'aura plus besoin de vous, il tuera tout le monde. Ne résistez pas. Ça ne fera que compliquer les choses. Désolé. On peut pas abuser de la force pour convaincre les gens de tout et n'importe quoi. S'ils veulent pas les comprendre eux-mêmes, on peut pas les forcer. Surtout des gens qui sont normalement censés être plutôt bons. Quant à toi. Couché. Personnellement, je pense avoir fait le bon choix. Je voulais pas les tuer, mais le problème c'est que je pouvais pas utiliser abuser de la force pour ça. Je devais vous sauver. Je devais tous nous sauver. Et les Jedi. Bengelmore veut détruire mon ordre, et tu lui as donné mon maître. Il n'est pas trop tard pour les sauver. Bengelmore a emmené Orgus dans un endroit qu'on appelle la Forge. Réactivez votre droïde, il sait peut-être où les trouver. Vous pouvez me pardonner, n'est-ce pas? Le problème, c'est que je suis pas complètement juge. Le seul juge des Jedi, c'est l'ordre normalement. Enfin, c'est le conseil, pardon. Mais pour moi, je peux lui pardonner. Ce que tu as fait, mais je comprends. Merci. Je suis vraiment désolé. N'importe qui aurait fait pareil pour sauver un peuple entier. Pars très loin. Abdique. Apprends de cette erreur. Consacre ta vie à réparer ce que tu as fait. Je ne laisserai pas passer cette chance. Je vous le promets. Faut pas lui abdiquer, hein. Ce qui s'est passé. Pas dès le premier jour. Surtout qu'en plus, quand on bat le chef de l'opposition, si je puis dire. On vient de tuer le chef de l'opposition, malheureusement. Bengelmore a conduit mon maître dans un endroit appelé la Forge. Tu sais où c'est ? Ces Twi'lek t'ont désactivé et ont essayé de me tuer. Je devais nous défendre. A4PO par holo. D'accord, intéressant. Ça allait très très vite le texte, hein, je veux pas dire, mais... Là, il y avait un gros problème de vitesse de... Je suis A4PO, archiviste des Jedi. Bonjour. Transmets tout ce que tu sais sur la Forge à mon droïde T7. La zone est considérée comme très dangereuse. Puis-je vous demander pourquoi il vous faut ces données? Je suis impressionné parce que je viens de voir quelqu'un demander des... Pour savoir s'il y a des rôlistes. C'est-à-dire des joueurs qui jouent le jeu comme s'ils étaient des Jedi. Enfin bref. La zone est considérée comme très dangereuse, donc c'est urgent. Les déchiqueteurs ont capturé Maître Orgus et l'ont emmené là-bas. Par les étoiles? Ça tombe vraiment mal. Les maîtres du temple sont peu enclins à combattre les déchiqueteurs. Je vais vous dire immédiatement, mais il y a peu de chances qu'ils vous aident. J'irai seul. Transmission des données en cours. Merci. C'est plus d'ailleurs à la force. Ah, cool. Cool. Couvre-tête. Bah cool, écoute, pourquoi pas. Personnalisation T7. Bleu. Rouge, bah rouge, forcément, moi. Je suis obligatoirement rouge. Mais pourquoi tu m'as mis le jaune? Pourquoi je peux pas? Bon, c'est pas grave. Ça me fait un objet en plus dans mon inventaire que je ne peux pas utiliser, c'est cool. C'est cool. Voilà, je vais donner ça déjà. Pam 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 pam. Excusez-moi, j'ai d'autres. Du coup, je sais plus où sont mes amis, partenaires et contacts. Pam 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 pam
Pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Ça vient par là, ok. Excusez-moi, j'ai la musique de Jurassic World, Jurassic Park dans la tête. Principalement Jurassic Park. Mais ce n'est pas grave. Ok, nous devons nous aller. Mais merde, tu veux bien m'ouvrir? Ah oui, d'accord, c'est parce qu'il devient transparent quand je me déplace. Ok, nous devons partir par là pour rejoindre le chud. D'accord. Ok. 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 D'accord. Ça, c'est bon à savoir. Caractère. Partenaire. Et vous voyez, je ne peux pas encore. Si, peut-être que je peux. D'accord. Pas encore. Et putain, j'ai vendu un fusil blaster tout à l'heure, j'aurais pu lui donner. Merde! Peut-être que les vendeurs ont tous le même. On tient la meilleure boutique des environs. Demandez, on a. Faites okay. Attention à vous. C'est pour personnage. Hop. Alors, passe pas dur, on va voir. 30. Alors, attends. Est-ce que je peux voir un index 8? Et si celui-là, c'est index 26? Ah bon? Aucun bonus de stats? Oh merde! Ok, bon bah, excuse-toi. Du coup, est-ce que je peux te voir avec les armes dégainées ou pas? La 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 la. Non, je peux pas le voir. Ok. Bon, en termes de déplacement, je pense qu'on va se déplacer ici, puis après, on va descendre. C'est pas grave. Hop. Bon, bah au moins on a récupéré T7, c'est ça qui est cool. C'est ça qui est bon. Bon, on y va. Ouais. Excusez-moi. Merde. Alors. Pam 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 pam. Nous on part toujours vers le bas de la map, hein. Merci. J'aimerais juste vérifier. Oui, si je prends par là, c'est bon. Ok, on y va. Pam 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 pam. On va se faire agresser sur la route. Bouffe-moi ça, la 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 la. Boum. Bitch, get out the fucking way. Merci pour l'orbe de soin, c'est super stylé, c'est pas grave. Après, moi, je peux potentiellement le passer aussi en dégâts, sachant que comme je suis censé être un tank, je peux particulièrement bien encaisser les coups. Et, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Oh, c'est gentil. Cool. T'as des problèmes, T7? Ah, c'est bon, il arrive. Ok. Parce que la musique est restée en combat, donc ça m'inquiète un petit peu, premièrement. T'es sérieux, faut passer dans la crotte? Ok, c'est parti. Oh, c'est beau. C'est typiquement Star Warsien, si je puis dire. Bonjour les filles. Hop. J'essaie de bien rester dans les parages pour vous faire détruire. Ok. Il n'aura pas fait long feu. Mais ce n'est pas grave. Apparemment, il y a un truc de quête ici. Ah non, c'est mon truc à moi de quête. Ok. La sortie, elle est par où? Elle est par là. Du coup, je vais aller à gauche. Hein. Je peux pas. Je peux aller à droite? Oui, mais il n'y a pas grand-chose. Ok. Ce qui m'embête assez, je veux bien le reconnaître. Est-ce que ça repop avant, en amont ou pas? Ça me ferait bien plaisir, si je puis dire. Parce que là, sur 15 ennemis, j'en ai pas des masses. Ça va pas repop.
Pam 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 pam. Ok. Et là, il y en a peut-être 3 derrière, non? Même pas. Oh là 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 là. Il y a même 0 ennemi, hein. Là, il y a un problème, selon moi. Là, il y a un pépin. Il devrait y avoir des ennemis. Il devrait y avoir des ennemis, il n'y en a pas un. Il y a un problème. Bon, on va refaire un petit tour, on va remonter un petit peu. On va voir si c'est moi qui me trompe. Déjà, on est resté en combat pour une raison que j'ignore. Ah non, on est resté avec le sabre dégainé, en fait, précisément. Étrange. Alors, j'aimerais bien avoir mes 10 droïdes et des déchiqueteurs à vaincre. T'as quelque chose à dire, T7? Ah non, d'accord. Ok, excuse-toi. Excuse-toi. Ah, vous voyez, ça m'embête qu'il n'y ait pas le moindre... Pas le moindre ennemi, en fait, simplement. Bon, la grotte... Enfin, la cascade qui réapparaît au dernier moment, c'est pas extrêmement grave, mais... Il n'y a pas le moins... Bah, qui s'amuse à redisparaître, d'ailleurs. Ok, c'est très étrange. Bon, bah, tant pis, hein. Je n'y peux rien, chers amis, malheureusement. T7 Plus déjà est prêt pour l'aventure, effectivement. Je ne te le fais pas dire, l'ami. Ouais, ça m'embête. Qu'il n'y ait pas le moindre monstre, ça m'embête. Et bon, c'est comme ça apparemment, hein. C'est normal. Hop. Allons-y. Hein. Mais pour moi, c'est pas normal. Le fait qu'il n'en ait pas un seul, soit quelqu'un est passé juste avant, et dans ce cas-là, c'est très bizarre parce qu'il y a zéro cadavre et rien du tout avec, soit... Je suis stupide. Ce qui l'un dans l'autre est tout à fait possible, hein, soyons honnêtes. Déchiqueteur, parfait. Oh bah finalement. Ah, succès obtenu, cool. Je sais pas ce que ça m'a rapporté, mais... C'est juste... Ah bah oui, il y a bien des gens. What? Ok, non, tu t'attaques pas à tes 7 toi, hein. Qui t'a permis de faire ça? Allez, hop, voilà, t'es mouru, merci. Crac. Bonjour. Au revoir. Voilà, merci d'être passé. Crac. Alors l'autre là-bas, il se fait agresser. Tant pis pour lui, c'était pas possible d'endurer tous les combats. Ah si, c'est bon. Finalement, il a réussi, comme on dit. Ok, salut les filles. Oh les filles, oh les filles. Je vous trouve, marteau. Oh les filles, oh les filles. Ah, je vous aime trop, lolo. Ah, pourquoi t'es déjà repop, toi, là-bas, là? Je t'aime bien, mais... Et évite de me faire ce genre de frayeur, quoi. Oh, ça va être tellement rigolo. Vas-y, merci. M'en doutais un petit peu. Tac. Je prends pratiquement pas de dégâts. Il me heal tellement, c'est une erreur pour eux. J'ai aucun risque là pour le moment. Il se prend quelques coups. Hop, boum. Un coffre dans le truc, non? Je sais pas. On va bien voir.
Même pas, dégoûté. Dégoûté. Bon, c'est pas grave. On va prendre l'escalier. Bonjour. D'accord, faut bien que j'aille tout simplement plus loin encore. Ok. Bon bah une fois arrivé en haut de l'escalier, chers amis, ce qu'on va faire c'est qu'on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom. Donc vous pouvez trouver les liens dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens et yo.